Au sommaire de cette édition, le chef d'état-major des armées, le général Ousmane Badjie, a été limogé par le nouveau président gambien Adama Barrow. En Somalie, une grande partie du marché principal de Mogadiscio a été détruite par un important incendie. On dénombre 3 morts et plusieurs blessés. Et puis le ministère de l'Environnement sud-africain a annoncé ce lundi que les braconniers ont tué 1054 rhinocéros en Afrique du Sud en 2016. Début des débats sur la révision constitutionnelle au Parlement mauritanien. Les échanges doivent d'abord avoir lieu en commission et se poursuivront en plénière le 7 mars prochain. Le nouveau texte propose de supprimer le Sénat, la Haute Cour de justice et le Haut Conseil islamique, mais aussi de changer le drapeau. Une proposition d'ores et déjà critiquée par l'opposition. Le drapeau mauritanien en vigueur depuis l'indépendance est composé d'un croissant de lune horizontale surmonté d'une étoile jaune sur fond vert. La nouvelle proposition du pouvoir en place est d'ajouter 2 bandes rouges, l'une pour le sang versé par les martyrs et l'autre pour celui que les Mauritaniens sont prêts à donner pour défendre leur territoire. Ces modifications proposées sont le fruit d'un dialogue politique qui s'est achevé à l'automne dernier, mais qui s'est déroulé sans la frange la plus dure de l'opposition. Pour être adopté, le nouveau projet devra être validé à la majorité des 2/3 par le Sénat et l'Assemblée nationale. Il sera ensuite soumis à un référendum ou à un congrès parlementaire, une convocation simultanée du Sénat et de l'Assemblée. Considéré comme un des piliers du régime de l'ancien président gambien Yahya Jammeh, le chef d'état-major des armées, le général Ousmane Badjie, a été limogé par le nouveau président Adama Barrow. Même si aucun communiqué officiel n'a encore été publié pour confirmer son éviction, l'officier supérieur sera muté dans une des représentations gambiennes à l'étranger, mais il attend encore de savoir où il sera affecté. Le général Ousmane Badjie, qui occupait ce poste depuis 2012, a été remplacé par le général Massane Kinte, qui retrouve ainsi un poste qu'il a déjà occupé. Avant sa nomination, le nouveau chef des armées était un conseiller militaire spécial du président Adama Barrow, fonction qui lui avait été confiée en janvier. Le régime de Yahya Jammeh a régulièrement été accusé par des ONG et diplomates de violations systématiques des droits de l'homme, accusation que l'ancien président a toujours rejetée. En République démocratique du Congo, l'épiscopat catholique a dit ce lundi redouter que la multiplication des foyers de tension ne soit un plan pour empêcher la tenue des élections dans le pays. Le 31 décembre, pouvoir et opposition signé sous l'égide de l'épiscopat catholique un accord censé sortir le pays de la crise liée au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila Kabange qui prévoit une transition politique jusqu'à la tenue de la présidentielle fin 2017. Nous sommes profondément peinés de constater la multiplication de foyers d'insécurité et de violence qui se généralisent sur la quasi-totalité du territoire national, a déclaré l'abbé Donatien Tchole, porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Nous redoutons une planification en vue de retarder ou d'empêcher la tenue des élections d'ici la fin de l'année, a-t-il ajouté, en présence de tous les évêques de la CENCO à l'issue de leur assemblée générale, sans nommer les instigateurs de cet éventuel plan. Plusieurs régions de l'Est, du Centre et du Sud-Est sont le théâtre de violences meurtrières à caractère communautaire ou à l'initiative de milices armées. Cette situation risque de plonger notre pays dans un désastre incontrôlable, s'est inquiété le porte-parole de la CENCO. Dans leur message, les évêques appellent à l'application de l'accord de sortie de crise conclu entre la majorité et l'opposition le 31 décembre sous l'égide de la CENCO. Depuis le décès le 1er février à Bruxelles, à l'âge de 84 ans de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, les discussions sur l'application du dit accord et la mise au point d'un mécanisme de cogestion du pays sont au point mort, bloquées par le marchandage des postes. La présidence de cette structure a été confirmée.
Le gouvernement kényan suspend toute publicité dans la presse privée. Cette décision qui vise à réduire les dépenses de l'État est applicable dans tous les ministères et agences gouvernementales, désormais astreints à accorder exclusivement les plages publicitaires aux médias publics, y compris les appels d'offres et les demandes d'emploi. Il s'agit, selon certains médias privés kényans, d'un moyen de déstabiliser la presse indépendante à l'approche des élections générales d'août 2017. La nouvelle mesure pourrait en effet causer aux éditeurs des pertes annuelles estimées à plus de 20 millions de dollars de recettes. Le Soudan du Sud se trouve de plein pied dans une crise alimentaire sévère. Quelque 4 900 de personnes, soit 42% de la population totale du pays, ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Le gouvernement a dû l'admettre. Il a déclaré l'état de famine dans plusieurs zones du pays. La faim, ce qui crée la famine, c'est la guerre parce que la guerre nous force à fuir. Quand vous ne trouvez pas d'eau ou de nourriture là où vous êtes, cela engendre de la malnutrition chez les enfants. À cause du manque d'eau et de nourriture, les enfants sont sous-alimentés et malades. Les maladies sont liées à la malnutrition. Il y a une famine au Soudan du Sud parce que les aliments des fermes et des villages ne sont plus produits. Ces gens ont fui aussi. Ils ont tout brûlé. Les zones rurales ne produisent plus de denrées comme c'était le cas avant. Quand vous alliez acheter du blé, cela coûtait 50 ou 60 livres. Maintenant, vous allez au marché et vous voyez la nourriture prévue pour nous les déplacer et cette même quantité de blé coûte 100 ou 150 livres. Imaginez si vous n'avez pas ces 150 livres ou si vous avez 50, mais pas plus pour moudre le blé, que faites-vous? Et nous n'avons pas de système de bon. Face à la gravité de la situation, le président Salva Kiir a promis un accès sans restriction aux humanitaires. Les organisations humanitaires ont déploré une famine causée par l'homme en raison de la guerre civile qui a obligé nombre de Sud-Soudanais à fuir leur habitation, limiter la production agricole, provoquer une hausse des prix des denrées et bloquer l'accès aux régions les plus isolées. L'Union européenne a annoncé qu'elle débloquait une aide d'urgence de 82 millions d'euros pour les besoins les plus urgents au Soudan du Sud et pour aider les pays voisins à faire face à l'afflux de réfugiés. L'un des plus grands marchés de la capitale somalienne, Mogadiscio, a été ravagé ce lundi matin par un important incendie. On dénombre 3 morts et plusieurs blessés dans cet incendie qui a dévasté une large partie du marché de Bakara, poumon économique de la capitale. Le feu a englouti environ 2 km² principalement, des magasins construits en tôle ondulée de verre. Puce Allah aider ceux qui ont été touchés par la tragédie. Le feu a éclaté vers 4h du matin, juste après la prière du matin, et le feu est encore en train de détruire de grandes zones du marché. Il y a plusieurs pompiers ici qui essayent d'éteindre le feu. Les gens sont très choqués. Certains d'entre eux tentent de sauver leurs marchandises, alors que d'autres perdent les leurs dans le feu. Les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser le feu qui a ravagé une grande partie du marché de Bakara. Mais pour l'heure, on ignore exactement ce qui a déclenché l'incendie. La population des rhinocéros drastiquement décimée en Afrique du Sud. Ce massacre nourrit un trafic destiné à plusieurs pays asiatiques, dont la Chine et le Vietnam, où la médecine traditionnelle attribue toutes sortes de vertus à la corne de rhinocéros, dont celle de guérir le cancer ou l'impuissance. 1054 de ces espèces y ont été tuées en 2016 par les braconniers. Même si le chiffre est toujours trop élevé selon les défenseurs des animaux, il est tout de même en baisse pour la deuxième année consécutive d'après le ministère de l'Environnement.
1054 rhinocéros ont été tués en 2016 contre 1175 pour l'année 2015. Ceci dit, ces actes criminels ont engendré l'interpellation de 680 personnes l'an dernier pour du braconnage. Ce chiffre fait plus du double des interpellations en 2015. Une prouesse réalisée grâce aux efforts des rangers, gardes armés des parcs. Il reste tout de même beaucoup de chemin qui nécessite une approche à long terme. Le commerce international de cornes de rhinocéros est interdit depuis 1977, mais cette mesure n'a pas permis d'enrayer le massacre. Le président américain Donald Trump a promis lundi une hausse historique de l'enveloppe destinée à la défense dans le prochain budget fédéral dont les grandes priorités devraient être annoncées dans la journée. Ce budget respecte ma promesse de protéger les Amériques, a-t-il déclaré à la Maison-Blanche devant les journalistes lors d'une rencontre avec des gouverneurs. Il inclurait une hausse historique dans les dépenses de la défense, a ajouté Donald Trump, qui avait fait de la sécurité et de la lutte contre le groupe État islamique un des grands as de sa campagne électorale. Il avait notamment promis de reconstruire l'armée en augmentant ses moyens. Début février, des chefs militaires américains avaient décrit devant le Congrès une armée américaine affaiblie par des années de ressources budgétaires insuffisantes et plus de deux décennies de conflits. S'ils ont déjà convaincu Donald Trump, c'est le Congrès qui tient in fine les cordons de la bourse. Le carnaval de Rio se poursuit malgré la tragédie survenue lors de la première soirée de défilé des écoles de samba. Un accident de char effondré en plein défilé qui a fait une vingtaine de blessés. Et pour éviter qu'un tel drame se reproduise, la direction du carnaval a pris de nouvelles mesures afin de limiter l'accès à la piste. On a déjà pris une mesure restrictive en mettant des barrières là-bas pour empêcher les gens de rester là. Ici, il n'y a pas de trottoir. On va organiser une réunion avec le maire et les acteurs publics pour que l'on puisse faire des travaux d'ici l'année prochaine afin de protéger non seulement les écoles qui entrent sur la piste avec leur char, mais pour protéger aussi le public et les professionnels qui travaillent. Les victimes de l'accident ont été évacuées en urgence du Sambodrome de Rio de Janeiro. Selon le dernier bulletin médical des autorités sanitaires municipales brésiliennes, 3 femmes sont encore hospitalisées. L'une d'elles, en état grave, est placée sous respiration artificielle.